Bonjour à tous. La session du moment, ça va être avec Max Vuca, qui malheureusement est un peu malade. Du coup, il a préféré rester chez lui pour nous conserver en bonne santé. Mais il est bien là. Donc, on va vous parler de Teams avec des options de comment étendre les usages de Teams. Donc, on connaît pas mal pour tout ce qui est visio, téléconférence. On va voir que c'est aussi une plateforme applicative. Il faut savoir qu'avec le Covid et le télétravail, il y a 70 millions de personnes au pic qui étaient connectés sur Teams. Au quotidien, il y a plusieurs millions de... Donc le but de cette session, ça va vous montrer, on va vous montrer du Power Apps, du Power Automate, pas mal d'outils. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà ces outils. Power BI, la Power Platform, ça vous parle un peu. Donc il n'y aura pas de développement, ça va être purement de la démo et un petit peu de montrer un petit peu comment on a fait ça. Donc merci à tous nos sponsors. Varoni, Smartello, Epitech qui nous hébergent. Merci de votre présence malgré les conditions sanitaires. Et puis merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. N'hésitez pas à interagir dans le chat pour ceux qui sont à distance. Donc pour ma part, organisateur de la conférence aujourd'hui avec Patrick, et je travaille chez Monaco Digital qui est une ESN monégasque. Je travaille sur tous les sujets de la numérisation. Jeff Angama, tout récemment MVP, merci à la communauté. Bravo le Jeff. Merci, merci. Donc j'anime un blog collabmania.com, je suis sur Twitter aussi. Donc je travaille chez Monaco Digital en tant que consultant Microsoft 365, aussi bien du développement que de l'architecture ou de la formation de Teams. Ouais, on peut parler plus fort, ouais. Pas de souci. Originaire de La Réunion, la petite photo sur la droite. J'ai eu la chance de travailler à Singapour. Donc, où j'ai pu faire un projet Digital Workplace pour 8000 utilisateurs en Scrum. Donc, c'était assez une belle expérience. Et mes expertises, donc ça va être tout ce qui est Power Platform, développement. Historiquement, je faisais du SharePoint, on-premise, on en fait toujours un peu. Et l'automatisation avec Nintex, Power Automate, Nintex qui est un produit à côté de Microsoft. Et Max ? Tout à fait. Moi, Max Duca, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans mon digital work. Est-ce que les gens de la salle m'entendent, c'est bon ? J'ai juste à changer le haut-parleur. Et... Un okay. Instant. Vas-y. C'est bon. Max Duca, plus de 10 ans d'expérience, je disais. Je viens du monde SharePoint depuis... j'ai commencé sur SharePoint, puis je suis passé sur du Microsoft 365 et encore du SharePoint aujourd'hui. Je travaille chez Monaco Digital avec Jeff et je fais du développement, un peu d'administration, pas mal de gouvernance et de l'accompagnement avec des formations Teams, formations SharePoint, formations Power Automate, etc. Donc voilà mon Twitter, mon LinkedIn, si vous voulez me suivre. Parfait, merci Max. Donc au sommaire, on va voir un petit peu les options disponibles, comment étendre cette plateforme application Teams. Avec beaucoup de démonstrations et en fin de présentation, des quelques ressources en ligne et des goodies en ligne aussi. Je n'ai pas du matériel, plutôt le stand Varonis là-bas pour les goodies. Je vous invite à aller les voir dans notre salle. Donc, on va laisser vos coordonnées pour avoir des goodies. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option pour étendre Teams ? Donc on a un certain nombre d'applications en standard. Vous avez pu le voir quand vous ajoutez des onglets, des applications dans des onglets. Donc ça, c'est des partenaires de Microsoft ou des applis Microsoft, tels que SharePoint, PowerPoint, Word ou une vidéo qui est dans Stream. On a des options avec le low-code, donc la Power Platform, Power Apps. Il y a des modèles à disposition qu'on peut utiliser. Par exemple, Microsoft a publié une application pour... réserver son siège, pour revenir au bureau en temps de télétravail, où on peut développer ces applications comme on a pu le voir dans la session précédente avec Théophile. Power Automate pour automatiser des tâches, faire des demandes d'approbation. Donc on peut avoir un bot qui vient nous demander une approbation pour une tâche donnée au sein de Teams, qu'on pourrait imaginer une demande de congé ou toute demande
directement dans Teams ou de son téléphone. On peut approuver une notification comme ça d'approbation. Virtual Agent, s'il y en a qui connaissent, pardon. Vaguement, c'est la plateforme de bot en clic-clic de Microsoft. C'est pas donné, mais pour les grandes entreprises, ça permet de, plutôt que coder son bot, on le fait directement en clic-clic et en termes de retour sur investissement. On pourrait, ouais. C'est ça. Donc c'est le bot finalement, il est dans Teams ou dans la plateforme Azure ou dans un site internet, comme on peut le voir sur ouais, le support Air France, choses comme ça. Mais là, plus domaine appliqué entreprise, quoi. Ouais. Jeff, tu n'entends pas trop les questions des gens de la salle, si tu peux les répéter. Pas de souci. On va me demander est-ce que c'était les bots interactifs qu'on peut voir, par exemple, sur Air France qui t'assistent à une question, tu vois, ou des bots commerciaux. Donc, c'était ça. Et le Power BI pour tout ce qui est reporting dans Teams ou dans les différents applicatifs de l'écosystème Microsoft. Et tout en bas, donc on a un peu plus loin, il y a des choses qui sont pour les développeurs, par exemple, App Template, ouais, on peut créer des. Alors, il y a les modèles de Teams qui vont arriver avec des modèles standards, mais les développeurs pourront étendre ces modèles en configurant des fichiers JSON. Donc, il y aura ça. Et après, on va avoir des applications, comme je vous le disais, existantes, comme un organigramme, etc., sur la plateforme Microsoft. À disposition, où on peut créer soi-même son application avec Power Apps. Donc ça, c'est pour vous représenter ce qu'on connaît de Teams, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est le chat, la visioconférence. Mais Teams, c'est bien plus que ça, on peut y intégrer donc, des applications, des bots, on est notifié aussi, on peut mettre des connecteurs, donc par exemple, pour les si on veut suivre un compte Twitter, par exemple, on pourrait dire je suis ce hashtag, et poste-moi ça dans un canal Teams. Pour les équipes marketing qui veulent faire de la veille, on peut s'interconnecter avec d'autres applications externes. Et les équipes et les options de développement sont moins utilisées, on va dire, que la visioconférence. Quelques exemples ici d'applications qu'on peut faire. On peut imaginer quelqu'un qui rejoint l'entreprise et qui reçoit un message de bienvenue, lui indiquant toutes les ressources pour mener à bien son intégration dans la boîte. Donc ça, on peut soit le programmer, soit il y a déjà une application qui existe d'ailleurs, il faudrait que je retrouve le nom, qui va donner le kit d'arrivant, etc. On pourrait aussi, là j'ai fait une démo pour ça, centraliser les bugs d'une application. Donc si vous travaillez avec un prestataire par exemple, plutôt que de le faire par email ou un outil ticketing qui peut être plus coûteux à mettre en œuvre, pour des petits projets, on peut faire des listes avec Microsoft List et Teams. On pourrait très bien interagir avec d'autres systèmes externes comme le CRM ou l'USIRH. Aussi, pourquoi pas faire des demandes de matériel dans la boîte, enfin, tout type de formulaire en fait, pour être digitalisé et être mis dans Teams. Et comme c'est une application finalement embarquée avec Power Apps, on peut l'avoir aussi du téléphone. Donc on peut imaginer de faire la pause de congé, toute pause de demande dans l'entreprise, soit du téléphone, soit de l'ordinateur. Donc après, libre à l'imagination et aux besoins de l'entreprise aussi, chaque entreprise aura ses besoins différents et ses applications différentes. Un petit contexte avant la démo. Comment on peut le faire? Donc, on peut se baser sur Azure pour héberger le code. On peut créer des bots. Les cartes adaptatives, c'est en fait quand une application vous envoie un message, il y a tout un format en fait qui est propre à l'application. On appelle ça les cartes adaptatives. On peut les faire directement dans l'outil Power Automate en quelques clics. Et ça permet finalement de faire comme si on designait un petit formulaire qu'on envoie à l'utilisateur. Et l'utilisateur doit remplir par exemple des informations dans ce formulaire. Ça va se faire à l'aide des adaptatives cards. Message extension, ça va être quand on est sur un message dans Teams. On a trois petits points à droite. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé peut-être pour sauvegarder un message ou pour le copier-coller. Bon, on va pouvoir ajouter des options sur ces trois petits points du style enregistre-moi ce message dans mon OneNote. Ou prends-moi ce message et envoie-le à créer une opportunité client dans Dynamics, parce que c'était le nom du client par exemple. Donc ça, on peut interagir là-dessus. Vous allez le voir en partie de démo. Task module, c'est un peu comme les adaptatives cards, mais c'est le développeur qui va pouvoir vraiment après interagir en mode code sur ce que la personne aura rempli dans ce formulaire. Et on peut déclencher des notifications s'il y en a d'autres systèmes, par exemple un CRM ou un CRH qui veut notifier l'utilisateur. Il peut déclencher une notification dans Teams. Donc après, on s'interconnecte avec tout l'écosystème Microsoft 365, à savoir Azure, SharePoint, Graph,
Donc on a pas mal de possibilités. Et pourquoi étant Teams, ça facilite l'adoption. Donc si on fait des applications métiers dans Teams, l'utilisateur va être plus invité à ouvrir l'application le matin, puisqu'il doit par exemple voir son planning ou accéder à un autre outil. Donc c'est un levier d'adoption de faire des applications dans Teams. Ça permet d'avoir des indicateurs aussi à portée de main. Si on met des rapports Power BI dans son Teams, on peut directement voir les rapports dedans. Et du coup, ça sert de point d'entrée vers d'autres applications. Donc comment l'étendre? Je pense que ça vous rappelle quelque chose, ce menu. Windows XP, c'était le point d'entrée vers d'autres applications. On va pouvoir faire un peu pareil dans Teams. On va pouvoir mettre ces applications sur la gauche. On a des applications Microsoft à disposition. Par exemple, là, j'ai mis une communauté Yammer et le planificateur. Donc ça, c'est en standard. En quelques clics, l'utilisateur lui-même peut déjà le faire. Mais l'administrateur peut aussi le déployer à tous ses utilisateurs pour mettre à disposition une application, qu'elle soit existante Microsoft ou nouvelle, créée par votre entreprise. On va pouvoir annoncer à l'Ignite, donc petite info aussi, on peut ajouter Yammer, donc le réseau social d'entreprise. Des gens, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Yammer dans la salle? Ok, une personne, deux. Donc nous, on l'a mis dans notre entreprise parce que Teams, on supprime les messages au bout d'un moment vis-à-vis du RGPD. Donc tout ce qui est vraiment amené à rester en termes de liens, de veille et de tutoriaux, par exemple, on met dans une communauté Yammer. Et comme on n'aime pas trop changer d'appli, on a mis l'appli Yammer dans Teams. Et à Ignite, ils ont annoncé que toutes les notifications Yammer qui arrivent normalement dans l'application, là, vont aussi arriver dans Teams en tant que notification Teams, là, sur la gauche. Donc l'intégration est d'autant plus améliorée qu'avant, puisqu'on aura les notifications. Non, je pense que c'est deux usages différents. C'est un peu comme dire WhatsApp et LinkedIn, en fait. Pour moi, le Teams, c'est quelque chose qu'on peut jeter potentiellement qui sert pour un projet, alors que Yammer, c'est le réseau social d'entreprise où on s'interconnecte avec d'autres divisions, où on fait plus des communautés de pratique. Alors, on peut faire ça aussi dans Teams, surtout quand on a des petites boîtes, on n'a pas envie d'avoir plusieurs outils, mais à des échelles des boîtes de CAC 40, ils ont tout intérêt à utiliser Yammer, parce qu'il y a des choses plus qui va générer plus d'idées, quoi. Après, je ne sais pas, la roadmap Microsoft, s'ils ne vont pas changer d'avis. Donc la question, c'était, pardon, c'était est-ce que Yammer va disparaître avec Teams? Une dernière petite annonce avant les démos. Donc en application sur la gauche, aujourd'hui, on peut déjà ajouter son intranet SharePoint dans Teams, mais on ne va pas avoir le menu du haut. Donc il y a un peu moins d'intégration, et là, ils vont mettre à jour cette application ou en faire une nouvelle, je ne sais pas, pour avoir là vraiment tout l'intranet comme on peut le voir dans Teams. La barre de recherche aussi qui est contextualisée à SharePoint. Donc si on recherche, ça ne cherche plus dans Teams, mais dans SharePoint. Donc ça va trouver les news, etc. Et il y aura, je pense, le nouveau menu qu'ils vont mettre dans SharePoint sur la gauche, directement intégrable dans Teams. Donc ça, c'était des exemples d'extensions. Pour aller plus loin, démonstration. Donc j'avais fait une petite application en Power Apps, Power Automate pour faire des demandes de télétravail. Donc ça, c'était bien avant le Covid. Maintenant, ça sera peut-être plus des demandes de revenir travailler. Il faudrait que je l'adapte. Un autre exemple avec Microsoft List pour faire la gestion des bugs d'une application, plutôt qu'un Excel. On va voir un petit peu les interactions qu'on peut faire. Une petite démonstration du projet Ogdale, donc c'est Power Apps dans Teams, en s'appuyant sur une base de données localisée à Teams. Et message extension avec Power Automate, en sélectionnant un message. Je vais pouvoir prendre le message et l'enregistrer dans OneNote. Donc je vais passer à la démo. Max, tu me dis, hein, s'il y a des questions dans le chat. N'hésitez pas. Alors, Je regarde. première démonstration, donc l'application de télétravail. Donc là, je suis dans Teams. Et j'ai rajouté au sein de mon équipe qui s'appelle notre espace de travail, nos applications. On voit pas Jeff là. Tu vois pas l'écran? T'as dû partager que Teams. Ouais. L'erreur de débutant. J'ai pas partagé tout l'écran. C'est pour voir si vous suiviez, s'il y avait du monde. Merci. Donc là, c'est bon, vous voyez mon écran Teams. Tout à fait. Donc en tant qu'onglet, j'ai rajouté une Power Apps où j'ai listé des demandes de télétravail. Ces demandes sont stockées dans SharePoint.
Donc l'utilisateur, en fait, depuis son téléphone, il peut accéder à cette Power Apps demande de télétravail, ou bien depuis directement Teams, là il fait une demande, pourquoi il veut télétravailler, hop, pour être plus productif, tiens, pas être dérangé. La demande sera le 14 octobre. J'ai pré-rempli les horaires de travail pour la personne et je choisis moins de plus 1. Donc là, pour que ce soit approuvé facilement, je vais me mettre moi-même. Donc normalement, on mettrait le manager, évidemment, et puis on peut restreindre cette liste de personnes. Donc là, le process, c'est que ça va envoyer une demande d'approbation au N plus 1, puis à la DRH, et tout ça automatisé après par email pour dire, voilà, ta demande a été approuvée. Il n'y a pas d'étape manuelle. Donc là, quand je fais OK, ça revient sur la liste. Le temps que ça mouline un petit peu, je vais avoir le bot Power Apps qui va venir me parler dans le chat et qui va me demander, voilà, moi, en tant que N plus 1 de moi-même, veux-tu approuver cette demande de télétravail? Donc ça, c'était une demande que j'ai faite tout à l'heure. La nouvelle va arriver par la suite. Donc si j'approuve cette demande, je peux mettre un commentaire. Et après, le N plus 2, donc là, le DRH est aussi moi, comme ça, c'est pratique pour la démo. Le N plus 2 va recevoir aussi la demande d'approbation. Donc ça, c'est Power Automate, bon, il l'appelle Flow pour le moment, mais ça va être renommé. Et par la suite, on va pouvoir aussi approuver depuis son téléphone ou depuis l'interface Power Automate. Quand on a beaucoup de choses à approuver, c'est plus pratique que d'aller dans ce chat. Donc ça, c'est avec Power Automate que je peux faire cette approbation. Et une fois approuvé, bah je reçois par mail ma demande de télétravail validée. Donc là, si je vais dans mes mails, je vais valider le deuxième niveau. Si je vais sur office.com. Tout à fait, ouais. Là, je l'ai mis par mail parce que je voulais une preuve en fait pour les assurances. Mais je pourrais mettre la confirmation dans le chat. Oui. Donc avec Power Automate, on a plusieurs options hein, de notification. Donc là, on voit que le mail est arrivé il y a une minute. Donc deux approbations et message final au demandeur pour lui confirmer que sa demande est approuvée. OK pour ça? OK. Donc, c'est une petite démo pour Apps. Ensuite, j'ai fait une autre application, donc cette liste d'incidents. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé les Microsoft List? Donc depuis office.com, vous devriez avoir l'icône Microsoft List qui vous permet d'instancier une liste selon des modèles existants. Donc là, j'en ai créé une qui s'appelait Gestion des problèmes, je crois. Et quand je l'ai créé depuis office.com, je l'ai ajouté en tant qu'onglet avec l'application Microsoft List ici. Je suis allé dans les onglets de Teams. J'ai choisi liste. Et j'ai intégré ma liste directement dans Teams. Donc, c'est-à-dire que si je suis en train de travailler avec ce prestataire et que je veux lui rajouter un bug, ben, je peux tout simplement le faire ici. Nouvel élément. Le site ne se charge pas, par exemple. J'entre les différentes informations qui sont en standard dans ce modèle de liste. À qui est assigné le bug, quel est le statut, quand est-ce qu'il a été trouvé ce bug. Donc là, je vais annuler, je vais juste rester sur ma liste existante. Et sur cette liste de bugs, du coup, j'ai rajouté un Power Automate sur la droite, là. Imaginons que le développeur a travaillé dessus et qu'il termine la correction de ce bug. Il clique sur ce bouton et ça va l'envoyer au demandeur, lui demandant de revalider la correction du bug plutôt que le faire en manuel. Donc ça, c'est un bouton qui déclenche un Power Automate à nouveau et qui à nouveau va refaire une demande d'approbation pour valider que ce bug a été corrigé. Donc là, dans le chat, j'ai Power Automate à nouveau qui va me demander une approbation. Le temps que ça mouline, des fois, ça peut aller jusqu'à 3 minutes. Donc là, c'était rapide. Donc c'est ça que je disais que c'était une adaptative card parce qu'on peut mettre des images et du texte en forme. Et là, je peux valider cette correction de bug et changer automatiquement le statut du bug dans la liste et le faire disparaître finalement. Donc comment... Une question? Non? Florian, oui? On peut imaginer qu'on peut intégrer ça avec des outils comme JetBrains, ServiceNow ou des DSM, ITSM pour pouvoir en fait
faudrait voir les connecteurs qui sont à disposition dans Power Automate. Je ne les connais pas par cœur, mais potentiellement oui. Après, s'il n'y a pas le connecteur, en tant que développeur, on peut toujours se connecter avec des API existantes de l'application. Donc on pourrait imaginer, oui, interagir avec d'autres systèmes qui gèrent des tickets, type GLPI. Donc ça, comment ça a été fait, la demande d'approbation? J'ai créé un Power Automate. J'ai dit que pour l'élément sélectionné, fais-moi une demande d'approbation. Puis pour chaque approbateur, donc là j'en ai qu'un, envoie-moi une demande d'approbation dans Flow. Power Automate, pardon. Donc voilà pour la démo concernant les listes, Microsoft List. Après, je vous montre une démo sur projet Oakdale. Donc, projet Oakdale, c'est, Théophile en a un peu parlé dans sa session, c'est une sorte de... Alors, Microsoft List, on ne peut pas faire du relationnel, c'est-à-dire on ne peut pas faire une table commerciaux et une table prospect en face du commerciaux. Ce sera vraiment des listes séparées à SharePoint. Alors que là, on intègre un peu comme le CDS, des relations entre les entités et on peut du coup, quand je supprime, je sais pas, un commercial, supprimer tous ces prospects par exemple, toutes ces opportunités. Donc là, l'édition de cette application se fait directement dans Teams. Donc il y a des modèles à dispo. Je vous montre par exemple un modèle de gestion d'idées. Donc quand je vais dans Teams, hop, sur la gauche, dans les trois petits points, j'ai maintenant une application Power Apps directement intégrée dans Teams, en preview, et qui est ce projet Oakdale. Je peux créer une application ici, et j'ai différents modèles, vous allez voir, qui sont proposés. Alors, il va me demander dans quelle équipe je vais rajouter cette application. Je vais la rajouter dans l'équipe actuelle. Il m'instancie Power Apps finalement dans Teams. Ça évite de quitter le navigateur, on reste dans l'environnement Teams. Et là, je crois qu'on partirait d'une Power Apps vide quand on choisit cette option. On va voir quand ça se charge. Donc il instancie tout ce qui est données qui vont être stockées par la suite dans cette équipe. Donc ça peut prendre un peu de temps. Le temps que ça charge, tu as une petite question dans le chat. Ouais. Ça disait, la question c'est, on peut toujours recevoir la notification Power Automate par mail pour cet exemple aussi. C'était quel exemple? Alors peut-être la demande d'approbation Power Automate, j'imagine. Oui. On peut la recevoir aussi en demande d'approbation, oui, par email. Et vice versa. C'est en parlant des listes, en fait. D'accord. Oui, on peut faire des demandes d'approbation par mail aussi. Donc là, la Power Apps que j'ai créée, c'est en partant de zéro. On peut créer une application. Si je reviens en page d'accueil, c'est là qu'on a en bas des modèles. Donc on a par exemple la gestion d'idées pour l'entreprise, une liste de bugs, enfin de problèmes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais en mode Project Oakdale. Si je vais sur la gestion des idées pour les employés, c'est déjà créé. Donc celle-ci, je l'ai ajoutée déjà sur une des équipes existantes. Je vais vous montrer. Donc plutôt qu'acheter un outil tierce pour la gestion des idées, on pourrait très bien utiliser ça. Et les utilisateurs, un peu comme le User Voice de Microsoft 365, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là, pour voter pour des idées, on peut directement proposer ces idées au niveau de l'entreprise. Donc on crée là, on voit des campagnes. Donc, par défaut, il y en a quelques-unes. Donc sur l'espace de travail. Alors mon écran, je vais un peu le dézoomer pour voir un peu mieux. Voilà. Donc on crée une campagne et dedans, les personnes vont pouvoir mettre leurs idées et voter directement. Donc ça permet de faire de l'amélioration continue dans son entreprise. Donc là, je crée une idée, je remplis le formulaire. Donc ça, c'est fait pour nous en Power Apps et c'est stocké sur ces données du projet Oakdale qui s'apparente au CDS qui est utilisé dans Dynamics en fait. Un CDS Lite. Si on veut le créer, ça demande plus de connaissances en Power Apps pour le créer soi-même. Donc moi, là, je suis parti de zéro. Ça va être beaucoup moins sexy. Donc là, quand je crée un contact, de base, il me met les champs d'un contact. Et j'ai rajouté un bouton en bas qui affiche les appartements
disponible avec un tableau. Donc ça, c'est vraiment 10 minutes de clic-clic, je l'ai fait. En passant plus de temps, on va pouvoir mettre plus de design et d'interface, comme on l'a vu sur la gestion des idées. Ça, l'avantage, c'est que vous l'avez aussi dispo directement sur le mobile, sans effort supplémentaire de redéveloppement. Des questions sur ces trois démos jusqu'à maintenant? L'attribution des équipes ou de permission ou de restriction, tout ça, c'est basé sur les utilisateurs, les groupes de sécurité de l'Office, en Azure déjà, ou qui peut créer des trucs supplémentaires dedans ou... Quand vous dites permission, c'est qui peut y accéder? Qui peut y accéder, ouais. qui peut faire dedans, qui peut éditer, qui peut... Ouais. Donc la question, c'est en termes de permission, qui peut accéder à ces différentes applications. Donc là, c'est plutôt des utilisateurs Office 365 donc, qui ont une licence, puisque Power Automate, Microsoft List ou Teams est soumis à licence. Après, on peut, quand on invite des... Comme on est aujourd'hui invité dans le tenant à ballon, à vérifier, mais je pense qu'on peut quand même accéder à cette application qui est publiée, quoi. À vérifier. Peut-être Théophile, tu as la réponse certaine à ce point. Oui, pour tout ce qui est projet Oakdale, les guests auront bien accès aux applications. S'ils sont invités dans une équipe Teams, ils pourront bien interagir avec les données des applications déjà créées dans l'équipe. Ils ne pourront pas en créer eux-mêmes, mais ils pourront interagir avec les données. Parfait. Merci Théophile. Donc, Microsoft List, voilà, si on l'intègre aussi dedans, ils pourront potentiellement l'avoir. Et donc la dernière démo pour moi, après je laisserai la main à Max. Donc ça, je trouve vraiment très intéressant cette fonctionnalité. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc si je vais dans un team sur un message existant, imaginons voilà ce message vidéo MS Ignite, plutôt que copier-coller ça dans mon OneNote pour me le sauvegarder pour plus tard. Si je crée un flow qui se branche sur les messages, je peux ici, donc c'est ce que j'ai fait, je peux créer directement un flow qui sauvegarde ce message dans un OneNote, dans mon OneNote. Donc ça, c'est les messages extensions. Donc là, j'ai cliqué, j'ai configuré une adaptative card où je dis bah, ce message sera sauvegardé pour vous et voulez-vous être aussi notifié par mail, si on veut se le garder par mail. Et est-ce que vous pouvez faire une suggestion pour cette application, donc pour la personne qui a créé cette application? Recevoir des suggestions. Donc là, c'est envoyé. Il y a le Power Automate qui va tourner. Et si je vais voir dans mon OneNote, tout s'est bien passé. Il devrait me créer une page dans mon OneNote et sauvegarder automatiquement ce message. Hop, j'ouvre le OneNote. Donc là, il y a des messages, des pages existantes en train de charger, pour lesquelles j'ai fait de la démo tout à l'heure. Donc je n'ai pas mis de titre de page. Donc voilà, il m'a sauvegardé le message. Donc il y aurait un petit peu de traitement à faire dans Power Automate pour enlever les caractères un peu spéciaux, là, qui sont les retours à la ligne finalement. Mais j'ai pu voilà, sauvegarder ce message. Et si on fait souvent de la sauvegarde tous les jours de messages Teams, ben on peut un gain de temps. Ceux qui utilisent Todo, par exemple, j'ai vu des personnes faire des démos d'ajouter une tâche en tant que tâche, ajouter un message pardon, en tant que tâche dans Todo. Donc après, on peut toutes les possibilités offertes par Power Automate vous permettent de faire des actions sur ce message finalement. Donc on pourrait aller créer un ticket tout à l'heure, comme demandait Florian, dans un autre système sur la base d'un message. Et ça, c'est du clic-clic. Si je vous montre dans Power Automate comment on le fait. Donc là, je suis allé sur office.com, j'ai cliqué sur Power Automate. Je crée un Power Automate de type instantané. Je lui donne un nom. Sauvegarder ce message en OneNote. Je ne vais pas choisir de... Alors là, je peux faire ici, là. For a selected message. Donc là, pour un message sélectionné, créer une carte adaptative. Donc là, ça m'ouvre une interface où je vais configurer le petit formulaire que vous avez vu au début, où la personne pouvait être notifiée par mail. Donc c'est ça que j'ai configuré. Et après, j'ai ajouté juste une étape, OneNote. Donc, je vais chercher OneNote ici dans les actions. C'est peut-être en un mot. Voilà. Et j'ai mis créer une page dans mes Quick Notes. Et dans le contenu, ben, j'ai repris tout ce qui m'est suggéré par Power Automate sur la base de Teams.
Donc j'ai repris message content ici. Alors il y a aussi l'auteur, il y a plusieurs informations. Après je sauvegarde et c'est fini, le bouton devient disponible dans Teams. C'est assez simple pour cette démo. Des questions là-dessus? Parfait. Max, je te laisse la main sur la présentation. Yes, ça marche, je partage mon écran. Parfait. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, je lance. Et là, vous voyez le PowerPoint. Ouais, c'est bon. Je ne suis pas trompé, cool. Alors, les bots dans Teams, je ne vais pas vous développer un bot dans Teams parce que ça prendrait beaucoup de temps. Je ne suis pas expert là-dedans, mais c'est juste vous montrer en fait l'intégration du bot que puis-je faire pour vous ou de Microsoft. Voilà les actions qui sont possibles aujourd'hui et ce qu'on peut faire avec. Alors, je vais basculer directement sur le Teams. Donc, comment faire pour l'ajouter, ce petit bot? Vous allez le chercher dans votre application si vous ne l'avez pas déjà installé. Vous tapez « où ». Donc là, ça vous dit qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'est un bot. Vous pouvez l'installer ou directement l'ouvrir. Donc ça, c'est le fameux petit bot. Mais quand vous êtes quelque part dans votre Teams et que vous avez cherché de l'information sur « je suis en train de discuter avec quelqu'un, j'ai envie de savoir qui est ou qui fait quoi », et bien ici, je peux taper « qui est Tom » ou « à qui j'ai posté un message concernant, par exemple, des annonces » ou ce genre de choses. Donc par exemple, si je tape ce message-là, le petit bot, il va rechercher, il va retrouver que j'ai posté un message disant « annonce à John Doe ». Et on peut interagir comme ça. Donc là, voir John Doe, qui c'est, ce qu'il fait. On peut voir son organigramme si les infos sont bien renseignées. Savoir qui est son manager, qui est son peers. Venir lui discuter avec, lancer directement une vidéo. Ou si on ne sait pas trop ce qu'on peut poser comme question, voilà les différentes questions qui peuvent être posées via ce petit bot. Donc ça, c'est un petit tips pour ajouter ça dans l'entreprise pour permettre de retrouver facilement des infos sur les employés de sa société sans le moindre développement. Et là-dessus, pour en revenir aux cards et adaptatives cards, tout à l'heure dans Flow, on voyait qu'on pouvait créer des adaptatives cards. Et dans App Studio, il y a aussi la possibilité de créer des cards. Donc voilà, il y a différents types de modèles qu'on peut éditer et jouer avec. Là, c'est le résultat ici. Là. Donc là, si je change un peu le texte ici, là, on voit le résultat et on peut s'envoyer une carte pour voir à quoi ça ressemble. Et là, hop, j'ai une petite notification. Ça me dit, ça m'envoie exactement ce que j'ai envoyé. Si on a envie de jouer avec les adaptatives cards, c'est possible via la petite application App Studio qui est là. Voilà, ça c'était la petite note sur les bots de Teams. Après, une autre possibilité, c'est intégrer votre intranet dans Teams pour éviter d'avoir à switcher à droite à gauche. Aujourd'hui, ce n'est pas intégré, on va dire, à 100%, mais comme on l'a dit dans Lignite, ça sera bientôt intégré. Mais on peut ajouter une application qui pointe vers votre intranet. Donc là, on a l'intranet qui s'affiche. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si je vais cliquer sur une news, je sors de Teams, j'arrive dans la news et je sors de mon site. Et donc, je suis plus sur le même menu qu'il y a dans le Teams qui est défini au niveau de l'application. Et donc, aujourd'hui, voilà les restrictions qu'il y aurait à intégrer l'intranet dans Teams aujourd'hui. Mais c'est possible et on peut rajouter cette icône à tout le monde, changer l'ordre d'apparition de l'icône et avoir dans Teams directement son intranet, voir les news, les différentes informations qu'on peut trouver dans l'intranet. Ensuite, sur cet intranet, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais vous montrer qu'on peut, si on veut s'inspirer de différents look and feel pour un intranet, aujourd'hui, vous pouvez aller sur Google, vous tapez SharePoint Lookbook, vous allez arriver sur ce site-là. Et ça, c'est des exemples proposés par Microsoft et la communauté qui permettent de s'inspirer en fonction du type d'organisation qu'on a, d'exemples existants. Et si, par exemple, on veut tester ce site-là directement sur son tenant, c'est possible en cliquant là. On fait « Add to your tenant ». Donc là, ça va récupérer les informations de mon tenant, donc le nom de mon tenant,
qui je suis, savoir si j'ai bien les droits, etc. Donc là, ça prend l'adresse, mon adresse mail, le nom du site que j'ai envie de donner, l'URL sur quel site je veux mettre ça et le nom du site. Et si je veux appliquer un thème particulier, parce que si dans votre tenant, vous avez créé des thèmes custom, des thèmes maison, là, c'est en train de chercher. Si je fais ça, là, normalement, j'ai deux, trois thèmes. Voilà, j'ai un thème dark et un thème white. Donc, je peux appliquer tel thème. Si je fais provision, voilà, ça va prendre quelques minutes et ça va générer ce site-là qu'on voit aujourd'hui ici. Donc, voilà pour la partie intranet. Ensuite, dans la partie intégration dans Teams, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut aussi ajouter, donc si je vous partage ça, sur GitHub, il y a aujourd'hui ceci, une solution, une apps dispo sur GitHub. Donc pour les gens, pour les développeurs qui sont curieux de chercher et de voir ce qu'il y a derrière ou de le redéployer chez eux, c'est possible de venir sur ce GitHub-là, qui a été posté par Vessa, il me semble, qui postait une news là-dessus et qui expliquait voilà, comment intégrer cette solution qui pouvait être intégrée aussi bien dans Teams que dans un site SharePoint directement dans une web part et quels sont les prérequis aujourd'hui pour l'installer. Ça ressemble à quoi? Ça s'intègre et ça s'installe facilement. Quand c'est intégré, voilà, on a l'application directement ici, on peut filtrer, rechercher. Donc là, c'est des données fake, mais c'est pour se donner une idée de qu'on peut faire du développement type SPFX pour faire pour venir intégrer des applications dans Teams et rendre notre Teams beaucoup plus riche. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre exemple que j'ai fait dernièrement. Ça parle de SharePoint List, un peu de formatting colonne et de Power Apps. Je switch sur le bon écran. Donc ça, c'est une liste, c'est, en gros, c'est pour redéfinir un peu un annuaire. Aujourd'hui, on a un client qui a besoin de remplir plein d'informations concernant ses employés. Il pourrait utiliser Delve, mais il n'y a pas toutes les infos qu'il voudrait concernant plein de choses, en fait, plein de compétences, plein d'informations. Donc, on a redéfini une liste dans SharePoint et derrière, on a branché ça sur une Power Apps. Donc là, avec un petit peu de formatting, on a fait un lien vers une petite Power Apps. Donc là, je vous montre cette colonne en faisant du formatting. Ici, là, on a le petit bout de code qui permet de faire du formatting. Donc ça, je ne l'ai pas pondu de zéro. Aujourd'hui, il y a une communauté sur GitHub qui s'appelle PNP qui met à dispo plein d'exemples pour formater un peu les colonnes. Et si on est curieux, on vient chercher dans colonne sample. Et là, on cherche quelque chose qui fait parler, quelque chose avec un lien, par exemple. Voilà. Si je vais là-dessus, je veux transformer quelque chose en lien, je viens sur l'exemple JSON, je copie-colle cette valeur-là, je retourne sur mon site SharePoint et je viens la coller là. J'adapte en fonction de l'ID et le nom de mes colonnes, j'enregistre et puis voilà le rendu que ça fait. Ou sinon, on peut faire de la mise en forme conditionnelle directement par défaut et puis choisir... customiser en fonction de la couleur qu'on a envie. On peut modifier un peu les couleurs en fonction des valeurs, changer certaines valeurs et certaines couleurs par défaut. Donc, pour en revenir à l'exemple de la Power Apps, donc si je clique là-dessus, en fait, ce que ça va faire, ça va m'ouvrir un lien vers une Power Apps en passant en paramètre l'ID de l'élément actuel. Là, j'ai bien mon petit ID qui va bien, là, ID égale 6. Et donc là, ça va me permettre de customiser les infos là-dessus. Donc là, si je veux changer l'image, qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Si je prends cette image-là, par exemple, j'ai branché ça directement sur la photo du profil utilisateur. Ça fait que je vais updater en fait, ma photo qui se trouve tout en haut à droite. Ça évite de passer par Delve, modifier, mettre l'image à jour. Je peux mettre à jour les différentes informations ici. Donc, je deviens une femme. J'enregistre ou je fais suivant pour passer aux écrans suivants. Et une fois que j'ai fait ça, je peux revenir sur mon site, par exemple, là, faire un petit refresh. Peut-être que l'image est à jour ou pas encore, mais ça prend un petit peu de temps. Voilà, ça y est, j'ai changé l'icône de la photo. Et voilà, c'est pour vous montrer une interaction. Donc, cette liste-là, elle pourrait être intégrée facilement dans Teams ou bien la Power Apps. Et on pourrait naviguer comme ça de l'un à l'autre assez facilement. Je reviens à mon slide. Alors, peut-être... vous montrer peut-être pour les gens que ça intéresse, je sais pas si
Concernant la Power Apps, c'était peut-être sur celle-là, non, j'étais là ici. Si je viens modifier ma Power Apps, montrer juste comme c'est assez simple de modifier la photo de son profil dans l'application. Pour mettre à jour cette photo-là, c'est en une petite ligne dans Power Apps, on met à jour sa petite photo assez facilement. Il faut peut-être ouvrir ça, la fenêtre de chargement avant. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le Teams. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, ok, très bien. Donc, ça se charge. Attends, une petite question en présentiel. Yes. MS List et Omis SharePoint, elles vont être interconnectées. Les anciennes listes SharePoint qu'on a, on va pouvoir les faire facilement à liste, et est-ce qu'on pourra, avec des applications apps, nous donner l'un ou l'autre, okay. La même manière ouais. Donc la question c'était par rapport aux Microsoft List et aux listes existantes de SharePoint, est-ce qu'on peut les attaquer les deux? Donc oui, la nouvelle fonctionnalité Microsoft List qui est sortie, c'est la possibilité à un utilisateur de créer une liste dans son OneDrive, donc personnel à la base, sur la base de modèles, et avec une interface beaucoup plus intuitive et beaucoup plus... au goût du jour, on va dire, mais ils sont en train aussi de déployer ces fonctionnalités sur les listes existantes. Et de la même manière, quand on fait une application, on peut aller chercher aussi bien la liste qui est dans SharePoint ou potentiellement dans un OneDrive. Bon, après, si c'est une liste qui est destinée à, à plusieurs personnes, il vaut mieux la mettre dans un SharePoint partagé à plusieurs personnes. Quoi. Les MS List, c'est plus des listes pour la personnelle. Ouais, c'est ça. Et toutes les améliorations vont être poussées sur les listes SharePoint. Notamment, je sais pas moi, le header qui va être sticky quand on scroll en bas, ça ils vont l'ajouter dans les listes existantes. Ok, c'est bon Max. Ok, cool. Donc là, je voulais juste vous montrer rapidement comment on mettait à jour en fait sa photo de profil sans avoir besoin de passer par Dell via son appli Power Apps. C'est assez facile. Il suffit de rajouter une source de données qui est utilisateur Office 365. Donc soit vous l'avez déjà, soit vous venez rajouter cette nouvelle connexion. Donc là elle y est, elle s'appelle utilisateur Office 365. Donc je l'appelle cette source de données. Il y a une fonction qui s'appelle update ma photo. Je peux pas updater bien sûr la photo d'un collègue, sinon ça serait trop facile, trop marrant et pas du tout professionnel et pas du tout RGPD. On peut updater sa photo, on met le format de la photo. Là, je viens récupérer l'image qui est mise dans Uploaded État civil qui correspond à cette zone-là. Et c'est tout. Ça sauvegarde ma photo dans mon profil. Ça sauvegarde le formulaire qui est sur ma droite. Et le tour est joué. Voilà. Voilà, on a fait un tour de cette... des listes. Pareil là pour la colonne état civil, en fait la photo là, il n'y a aucune valeur dans la liste elle-même, c'est juste un formatting de colonne dans laquelle je vais chercher la liste, la photo de mon profil. Peut-être si je vous montre ça en live ici, là cette colonne là, comment elle est faite ici, là en fait je vais chercher, donc je recrée une image dans laquelle la source de cette image, ça sera quoi? Ça sera layout/15userphoto.spx. La taille de la photo, je la mets en small pour qu'elle soit petite. Quel est le nom de mon compte? Je le prends dans la colonne qui s'appelle mail, qui est ici, mail. Le titre, j'affiche juste nom, prénom, le titre de l'élément. Et puis c'est tout. Après, c'est un peu de cosmétique et voilà. Tout simplement. Et puis voilà, on arrive à la conclusion. Je rends la main à Jeff. Je pense qu'on est dans les temps. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Je suis là pour y répondre ou je reste dispo de toute façon sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc en conclusion, l'objectif, c'est de réduire un peu le nombre d'outils en intégrant un certain nombre de choses dans Teams. Soit en faisant des points d'entrée vers d'autres applications, soit en intégrant des applications existantes. Je fais un petit bip là, est-ce que je suis toujours dans la réunion, c'est bon? Ouais, t'es toujours là. Ok. Toujours là. Ensuite, Teams a du coup un potentiel de plateforme applicative. Donc si on met en place du Digital Workplace, ça peut être une des briques de son environnement de travail digital.
On peut voir qu'il peut être configuré en quelques clics pour certaines extensions, sinon d'autres, ça requiert un peu plus de développement, de connaissances. Et quelque chose qu'on dit pas assez souvent sur Teams, c'est que faut pas oublier tout ce qui est gouvernance, sécurité et adoption utilisateur afin de rendre cette plateforme qu'elle ne devienne pas tentaculaire, on va dire. Parce que si on laisse tout ouvert à tout le monde et sans mettre de la gouvernance pour dire qui peut créer les applications, par exemple, on peut se retrouver avec des doublons de gestion des congés et à être un peu chaotique. Donc on vous invite, on a fait un petit formulaire sur les sessions Monaco Digital, à vous faire vos retours sur la session, pour qu'on s'améliore. Soit en QR code, soit on mettra dans le chat le lien vers le formulaire Forms, bien sûr. Le petit goodies, c'est du digital, c'est plus pour vos utilisateurs ou si vous débutez dans Teams, mais je doute, je pense que beaucoup de personnes connaissent Teams ici. Donc avec le service campus de notre entreprise, on a fait une sorte de calendrier pour que chaque jour vous avez des idées sur quoi faire dans Teams. Ça va de configurer vos notifications à configurer votre photo jusqu'à la gestion des tags en bas pour faire @ un groupe de personnes dans une équipe par exemple. Ça c'est des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc ça, ce sera partagé dans les slides, avec les slides, pardon. Donc on laisse la question ouverte. Est-ce que Teams, potentiellement, vous y voyez des intégrations possibles et est-ce que vous en ferez un peu plus votre digital workplace? En tout cas, on vous remercie avec Max pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous, en tout cas. Vu l'état de Teams aujourd'hui, les intégrations, les changements de chapitre, etc., en dernier, dans quel contexte est-ce qu'il faut encore attendre 2 ans pour que ce soit justement digital workplace pour tout faire, ou est-ce qu'il va toujours falloir. Il y a beaucoup de overlap entre les différentes solutions et les développeurs. Est-ce qu'ils sont en train de réduire ça, justement, simplifier et c'est tout mettre dans Teams, ou est-ce qu'on va en fait. Ils vont clairement sur une plateforme cloud. Comme disait Patrick ce matin, les workflows, par exemple, 2010, vont être désactivés, l'ancienne technologie, au profit de Power Automate. Je pense que la Power Platform, c'est vraiment la base pour tout ce qui est développement d'applications, que ce soit en clic-clic utilisateur ou plus poussé en développement. Et Teams, finalement, est qu'un catalyseur de tout ça, puisqu'on va afficher toutes ces applications. On voit que Dynamics, déjà depuis plusieurs années déjà, se base sur Power Apps, donc c'est un truc qui peut paraître récent, Power Apps, mais en fait non, ça existe depuis plusieurs années, propulsé par Dynamics, donc je ne pense pas que ce soit amené à disparaître. SharePoint aura toujours, je pense, son rôle d'intranet, avec aussi stocker un peu des données via des listes, mais là, avec ce projet Oakdale, je pense qu'on a un bon entre-deux, entre le CDS, ou les applications vraiment métiers SQL, et les listes SharePoint qui manquaient peut-être parfois de liaison entre les entités pour faire un peu un modèle relationnel. Donc je trouve que c'est assez stable. Power Automate aussi, ça, c'est un outil qui a fait ses preuves. Et après, moi personnellement, pour tout ce qui est process métier, il y a des outils comme Nintex où eux vont être un peu plus spécialisés là-dedans. Et quand on veut faire des approbations de beaucoup de personnes et beaucoup d'interconnexions aussi, c'est des outils aussi à considérer selon son besoin, quoi. Par rapport à la question, moi ce que je dirais, c'est que je ne pense pas qu'il faille attendre, parce que ça évolue beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans un axe où il y a Teams d'un côté qui sert de frontal, qui remplace le traditionnel intranet qu'on pouvait faire avec SharePoint, enfin, qui ne remplace pas vraiment, mais qui prend la place, voilà, c'est exactement ça. Et côté dev, customisation de tout ça, la Power Platform, il y a tellement de possibilités que ça ouvre vraiment un monde de paramétrage sans faire réellement du dev. Donc c'est vraiment deux piliers. Alors je vois madame qui hoche la tête, effectivement, on peut avoir une discussion, est-ce que c'est du dev, pas du dev. Bon, disons que c'est pas du code classique, ça c'est sûr. C'est censé être un peu plus accessible. Après, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense, peut-être qu'on a déjà la question dans le chat, si on est développeur professionnel, on va beaucoup plus avancer vite, on va aller plus loin avec la Power Platform. C'est aussi un des intérêts de cet outil, c'est que si on n'est pas dev, on peut commencer à faire des petites applis. Et franchement, moi, je ne suis pas dev, hein. Je suis vraiment plutôt IT pro, enfin, dans ma culture depuis de longues années.
Et déjà, je suis capable, enfin, pour, je l'ai fait pour des démos et quelques clients, des petites applis Power Apps, c'est la portée vraiment de tout le monde, j'ai envie de dire, vraiment tout le monde. Après, c'est sûr que si on veut faire des trucs professionnels, bah, il vaut mieux être développeur professionnel, comme son nom l'indique. Donc, il y a toujours cette complexité. Malgré tout, si on est professionnel, on va aller plus vite, plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que les développeurs qui s'emparent de la Power Platform, qui se mettent à Power Platform, ils s'en servent, je dirais, pour augmenter leur productivité. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est interface et tout, ils peuvent le faire en coding classique, mais ils vont peut-être mettre 3 jours à coder trois écrans qui vont se faire en une heure dans Power Apps avec les wizards et tout ça. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Même si vous avez soit des compétences de développeurs vous-même ou dans vos équipes des développeurs, avec la Power Platform, ils vont aller plus vite, quoi. Donc, ça, c'est aussi très fort comme tendance. Après, s'il y a vraiment des besoins de développement, il y a aussi le SharePoint Framework qui a montré un petit peu Max. Et là, c'est vraiment pur développement. Et ça, c'est vrai qu'on l'utilise quand la Power Platform ne permet pas de faire ce qu'on souhaite faire. Parce qu'une appli de télétravail comme ça, ça peut se faire en une journée de développement. Ça peut se faire en une journée de développement, enfin de configuration de Power Apps, versus 5-6 jours de développement pur si on part sur des technos .NET ou JavaScript classique, quoi. Voilà. D'autres questions ? Parfait. Je regarde un peu le chat. Et puis sinon. Merci à vous. Merci à tous les deux. À tous. Je vais arrêter l'enregistrement du coup. Merci. Ça marche.